Puisque c'est en se parlant que nos univers fusionneront et donneront naissance à un monde plein de compréhension. Quand je repense à tout cela, je me dis que l'amour en est forcément le premier pas. Ah, je crois en ça. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Missipad, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, très content de vous retrouver pour du Lego Shima. Ça fait très longtemps, pour ma part, que j'avais pas tourné. Donc, dans le dernier épisode, on s'est fait voler le gant d'or des gorilles. Et donc là, on devait aller en parler à notre... Enfin, au père des lions. Voir ce qu'il en dit. C'est parti. Papa! Les loups et les corbeaux sont de mèche avec Krager. Ils cherchent tous la triple source de chi. Papa? N'y pense même pas, Laval. Laval? Regarde, il porte le plastron sacré des aigles, celui que Waris a volé au pic des aigles. Eh? Il porte aussi le gant Groovy d'or des gorilles. Ah ah ah! T'as toujours un train de retard, Laval! Maintenant que j'ai une double source de chi, ton cher Popo, il va m'aider à trouver la dernière! Non, je ne t'aiderai pas, Krager. L'armure est trop puissante. Elle ne doit pas être utilisée ainsi. Son énergie aurait raison de toi. Non, arrête. Repose Laval. Je viens avec toi, Krager. Papa, non! Pas très dur à convaincre le père. Bon, bah c'est le bordel. Ça commence déjà avec le bordel. Tribu des rhinocéros. Bon bah on y va. Et que voulez-vous? On pète la gueule à Krager. Bon, moi ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Ça fait depuis... février je crois. Bon. Tribu des aigles. Je l'ai raté. Bah. Tu t'es amusé comme un petit fou, est-ce que je vois? Dis-moi où Krager emmène mon père! Maintenant! Du calme, Laval! Tu ne les trouveras jamais si tu me fais du mal! Arrête, Waris! Je sais que tu es de mèche avec Krager pour obtenir la triple... Je l'étais, oui! Nous nous étions mis d'accord pour récupérer les pièces de la triple armure de Chi et partager son pouvoir. Entre toutes les tribus de Chima, bien sûr! Mais Krager nous a trahis! Il est devenu avide! Et il a décidé d'utiliser la triple armure de Chi pour lui tout seul, avant qu'elle ne soit complète. On ne peut pas lui faire confiance. Encore moins à toi, Waris. Krager emmène la Gravis dans la carrière des rhinocéros. Je pourrais t'aider à passer. Tu n'as pas d'autre choix si tu veux revoir ton père. D'accord, Waris. Mais au moindre faux pas, tu auras affaire à moi. Du calme, Laval. Je veux stopper ce traître de crocodile tout autant que toi. Allez, suis-moi. Pourquoi ça bug sur les dialogues, j'ai l'impression? Ouh, on a un loup avec nous. Non? Ce serait cool qu'on ait un loup. Yeah!
On a un loup dans l'équipe. Ça, c'est cool. Bah alors, pourquoi tu ne peux pas? Ok, je pouvais pas creuser en restant appuyé et en spammant, ça voulait pas. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Je vous ai dit, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Oui, parce que là, on a des trous, on a plein de trucs à creuser. On est où là? J'arrive pas bien vous régler la cam. J'adore la musique. On commence à avoir pas mal de persos mine de rien. Ok, je me disais bien, what, je peux plus sortir, mais non, en fait, c'est moi qui sais plus jouer. Il y a des personnages, très bien des rhinocéros. Maintenant, j'adore les loups, ils sont classe. Pour ça, il va me falloir un rhinocéros, je pense. Je vais te faire regarder. Servez-vous... Ah, oui, ou l'autre, tout simplement. Bah alors? Quoi? Roue de la tribu. Je comprends rien. Je fais des bêtises. Et on le voit clairement que lui c'est censé être un méchant. Seulement. Ok. Ok, par là. Vas-y, creuse, creuse. Ah, ça marche beaucoup mieux. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut la mettre là. Tourne la manivelle. Tourne la manivelle. J'arrête pas de me planter de boutons, les gens. Je pense que ça se voit. La barrière. Oui, nouvelle zone. Oui. Bon, ça commence déjà en bordel cet épisode. Attends, déjà 8 minutes, on a toujours pas commencé le niveau. Bref. Là, on entre enfin dans le niveau. Après 8 minutes. Bon, c'est pas grave. L'épisode sera un petit peu plus long. Genre, c'est une blague. Ce niveau me souffle déjà en fait. Pourquoi? Ok, là je peux même plus... quand j'y touche, alors là j'y suis collé, ça m'a rien fait et tout à l'heure ça m'a fait mal. Bref, je crois qu'on dirait de chercher une logique. Là où il n'y en a pas. Bon. Ok.
Tu vas me dire what? What the fuck? Mais ce niveau, les gens. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es pris un rocher? C'est ça? Mais regardez, je me prends des dégâts. Franchement, ce niveau commence très mal. Ce niveau commence très mal. Oh, regardez là. Bon, ça on peut pas le prendre, d'accord. Ok, on dégage. On a rien à faire par là. Ah non, là c'est les traces, ok, je crois que je... Non, il y a toujours d'abord les traces. Par où passer? Ok, j'arrive pas à me tromper de bouton. Ça va pas le faire. Le problème c'est que je suis sur Lego Star Wars et Lego Batman. Enfin, Lego Star Wars n'a pas les mêmes touches que Lego Batman qui n'a pas les mêmes touches que Lego Shima. Vous voulez que je fasse comment moi? Attendez les gens, je vais faire un petit truc. Voilà. Bon, pour vous ça n'aurait pas dû changer grand chose. Je pense que je vous aurais peut-être fait une ellipse. Faudrait que j'y pense à 12 minutes. Je vais faire une ellipse. 12 minutes, je vais faire une ellipse. Pas de problème. Je vais me faire un petit... J'espère que je vous ai pas trop laté les oreilles. Histoire de me rappeler qu'au montage je dois faire quelque chose. Puis là, je baisserai de son. Ah, je suis fou des fois. Monte! Monte! Vol, saute! Fais ce que tu veux. Mais monte! Hop! Genre il y a Rhino qui... Je sais pas ce qui sort de là-dedans. Tu veux bien venir dans mon équipe? Non. Je sais pas pourquoi, mais en regardant la liste, on les a tous eu dans l'ordre. Je me dis, le croco qu'on va voir, pour moi ce serait... Ce serait Krager. Encore une fois, je connais pas le dieu, mais... Je sais pas, j'imagine un truc du style Krager en fait. Enfin, Krager il s'est fait manipuler par, je sais pas, par d'autres personnes. Et voilà, c'est pas lui qui... Enfin, c'est pas que lui qui dirige. Ah, j'ai compris. Enfin, et du coup c'est plus lui qui se contrôlait. Je ferais bien quelque chose comme ça, moi, honnêtement. Ah, j'ai pas le temps de prendre les pièces. Heureux. Excusez-moi. Hop.
faut qu'on reprenne le Iris. Là, faut qu'on reprenne notre petit Warriz. Ok, bon. Question de chi, on est pas mal. On peut dire que c'est notre capacité de chi. Ouais, il faut en sorte qu'on... C'était pas une... tour de chi en haut. Là, on a des choses à faire pour les sources de chi. Alors, plusieurs choses qu'on peut faire. C'est pas une source de chi à se rendre ? Non, mais celle-ci, oui. Ça, c'est l'annexe. L'annexe. Ok. Ensuite, là, on a la source de chi. Ici. Du loup, cette fois. Pour... Pour ici, oui, justement. Oui, c'est pas logique. Et donc on peut passer en dessous. Parfait. On va arriver dans la zone. On va avoir besoin du gorille. Le gorille qui fait de la merde. Ok. Enfin, qui fait de la merde. Vous parlez. On va prendre Iris. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, une pièce violette. Oh. Le 100% pièce, on a moyen de l'avoir facile, je pense. Je pense qu'on peut l'avoir. Avec la pièce violette qu'on vient d'avoir, je pense qu'on peut l'avoir. C'est pas facile, on peut l'avoir. On passe dans les dédales. C'était de l'autre côté que fallait aller. Mais je peux pas remonter. Éviter les piques et prendre toutes les pièces. On essaye un 100% pièce, allez hop. Je le dis. Et là-haut ? Là-haut ? Et on peut tout autant y aller. Pourquoi? Ok, il y a encore une histoire de cadre. Genre, ah si, c'est bien placé. C'est quoi cette blague? Je suis vraiment tombé à travers le machin. Ok. Barre-toi. Thank you.
Ok, non. Tu m'énerves. Oh, c'est quoi, c'est un ours? Je crois. Tu es mort. Bon, il ne va pas glitcher cette fois. C'est bon. C'est bon. On dégage. Hey, c'est peut-être un, ce sera peut-être un des plus longs épisodes de Legoshima. Barre-toi. Je préfère ça, son style de combat lui. Oups, parce que je vais faire. Comment ça marche déjà? Je sais plus. Ouais, c'était ça. Je retrouvais plus la touche. What? Ah! Ah oui, mais il me faut les gorilles. Bonjour. Tu peux redescendre. Petit gorille, tu peux redescendre. Le gorille. Merci. Ça c'est chiant, ça t'as oublié de tout le refaire. Tout ça chiant. Oui, le mec ne va pas arrêter de se plaindre. Ok, on monte. Non, lui là il va te falloir du chi. Et pousse. Oui, c'est bon, j'ai vu que c'était tombé. Allez, tourne. Barre-toi. Tac. Je sais pas où est-ce que je m'aventure, mais je m'y aventure. Encore une pièce bleue. Une pièce bleue, une pièce violette, pardon. Je pense que on peut dire que je l'ai eu sans vraiment grande difficulté. Oh.
Oups. Tac, on a masse de pièces. Encore vous. Vous êtes trop lourd. Cet épisode va durer une heure. Vétéran corbeau. Pourquoi pas. Bon bah, faut remonter maintenant. Oui, c'est vrai que je suis en 20e. Non. Voilà, remonte. Coucou la cam. Non, c'est vrai que... Enfin, c'est pas que j'oublie que je suis en facecam, c'est que je le sais, mais c'est juste que voilà, je vais pas faire... Eh, salut. Eh, je regarde plus mon écran, je sais pas où tu es. Non. Ce qui me semble logique, enfin... Le pauvre. Laisse-moi tranquille. Bon, bon, alors où aller maintenant? Ah, faut retourner en bas. Où est la difficulté? On y a été tout à l'heure. On a déjà tout débarrassé. La chute de taré alors que je perds aucun cœur. Ah, c'est totalement logique. Quoi? Seuls les membres de la tribu. Sauf que moi je peux casser ça. Tu vas m'ouvrir la porte? Non. Non. Vraiment? Je fais quoi là? Eh oh! Non. What? Attendez, j'ai un problème là. Oh. Mais qui a éteint la lumière? Oups, désolé, il faut qu'on trouve Krager. Sais-tu où il est allé? Oui, le gentil crocodile m'a offert une piste de danse. Alors je lui ai montré comment entrer dans la jolie grotte des rhinocéros. Mais maintenant, elle est toute cassée. Écoute, si tu nous montres comment entrer dans la jolie grotte, je te jure que nous ferons une grande fête plus tard. Ce sera comme... comme un concert de rock. Tu as dit concert de rock avec de vrais rock et tout et tout? Oui,
Bien sûr! Il y aura des rocs, des pierres, de la musique, tout! Bon, d'accord. Allez, en route! T'as l'air totalement taré, mon gars. Mais on a un rhinocéros! Deux personnages de notre équipe. Rogon, il s'appelle. Rogon le Rochemont. Non. Vas-y! On se casse. Et niveau terminé! Bah voilà! Bon bah honnêtement c'était cool. Oh, déjà 31 minutes. Bon, voilà, donc en tout cas si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était Paddox pour ce... 6e, 7e épisode de notre let's play sur Lego Shima. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye.